Eh bien, salut tous et toutes, c'est Paradox pour ce 30e, si j'ai pas de bêtises, épisode. Parce que, attendez, oui, normalement c'est 30e épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hop, je suis juste ça vite fait. Alors, le dernier épisode, pour ceux qui n'ont pas vu, entre les deux épisodes, il y a eu un épisode en live, si vous ne l'avez pas vu, où on a commencé à faire quelques Korogus. On est à peu près 50. Et donc, aujourd'hui, et donc dans ce live, donc voilà, vous voyez qu'on a quelques Korogus, on a notamment trouvé, voilà, quelques sanctuaires que l'on n'a pas... qu'on a voulu garder, qu'on n'a pas vraiment fait... qu'on a voilà qui ont été gardés pour justement l'épisode d'aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va s'attaquer au sanctuaire et donc normalement on devrait avoir logiquement assez de cœur pour avoir la Master Sword. Allez, c'est parti. Ok, donc on est parti. Oh, attendez, on a des gemlocks juste ici. Et il y a une 200, j'ai l'impression. Donc voilà, on a fait pas mal. Enfin, on a fait quelques Korogus. Un petit peu. Un petit peu de Korogus. On a fait également quelques boss. La lune de sang, elle brille à nouveau cette nuit. Link, prends garde. Enfin, je sais pas si on aura le Master Sword, mais bon, je pense que moi, de mon côté, je vais tourner peut-être deux épisodes, voire peut-être même un peu plus, voilà, histoire d'être bien pour... enfin, histoire d'être libre pour la... d'être un peu plus libre. Cette semaine, enfin la semaine qui va venir, donc je sais pas, on verra, mais bon. On est parti du coup s'attaquer au sanctuaire, donc tu vois, c'est pas un sanctuaire que j'avais vu. Oh, et il y a un relais juste à côté. Ok. Du coup voilà, on va pouvoir également, quand on ira chercher un Master Sword, on pourra retourner voir Moya en même temps pour qu'il nous agrandisse nos sacoches. Donc on est parti pour le premier sanctuaire. Du coup voilà, comme vous le voyez, on a 57 Korogus. Je sais plus à combien est-ce qu'on était lors de l'épisode précédent, mais une chose est sûre, on n'était pas autant. Toi qui pénètre dans ce sanctuaire, Keinoi te met à l'épreuve au nom de Decilia. Pouvoir d'électricité. Ok, je peux soulever ça, ok. Donc ça, de ce que je comprends, ça c'est de l'électricité, non? Ok. Donc là, ça va ouvrir la porte. Ok. Sympathique. Tac, on va mettre les coffres. Ok. Alors... qu'est-ce que c'est que ça? Ok.
Et là-bas, il y a une... Ok. D'ailleurs, oui. Du coup, j'ai profité du live pour récupérer vraiment beaucoup de choses comme ça. Tac. Enfin, beaucoup de... d'épées dites inutiles. Mais bon. Enfin, des armes qui nous serviront juste à tuer des petits mobs nuls. Parfait. Des vis antiques. Hop, du coup, ça, on peut récupérer. Hop, et on le met là-bas. Ok. On continue du coup. Ok, là-bas on a un coffre qui contient peut-être une clé. Qui contient une petite clé. Parfait. Il y a d'autres coffres. Là-dessous, il n'y a pas un coffre ? Non. Ok. Du coup, hop, on va pouvoir déposer la petite clé. Je tiens en photo. Oula. Tac, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça. Tac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là, on se calme. Aïe! Voilà. Meurs au bout d'un moment. Ok. Du coup, ici, il n'y a rien. Question bouclier, on va peut-être passer sur un... Comme ça, voilà. Easy. Mais il manque un coffre. Ok. Oh putain. Tu veux me faire tomber dessus. Bande d'enfoirés. Quelle bande d'enfoirés. Ok, là j'ai tout. Là j'ai tous les coffres, ok. Bon bah, premier sanctuaire, c'est fait. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Honneur de Decilia reçoit l'emblème du triomphe. Bon bah ça va, il était rapide en plus ce sanctuaire. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la Decilia te protéger dans ta quête. Ok. Tac, là-bas il y a un minerai.
On va également... Je vais également prendre le relais. Du saphir, du silex. De l'ambre, du saphir, du silex. Ok. Il me semble qu'il était là le relais, il est en dessous. Oh, il est là. Oh, voyageur, comment te portes-tu? Tu as fait bien long voyage, même pour toi qui possède le don du vol. Il n'est pas aisé d'arriver jusqu'ici. Mon maître était le poète officiel de la cour de la famille royale d'Hyrule. Quand le fléau s'est abattu sur le château d'Hyrule il y a 100 ans, il était obligé de fuir. C'était un voyage périlleux, rien de comparable avec le mien. Le danger était son compagnon quotidien. Tout ça est à présent de l'histoire ancienne. Je dois suivre ma route, tu dois suivre la tienne. Le chant est à propos du héros du passé. Je le tiens de mon maître. Souhaites-tu l'écouter? Ouais, mais c'est encore le même. C'est toujours le même. Je te remercie. Ok, toi t'as une quête. Dis-moi, tu n'as pas vu mes compagnons par hasard? Ce sont quatre voyageurs qui s'appellent Kartam, Luim, Calzo et Palm. Tu ne les as pas rencontrés? C'est bien ce que je pensais. Nous voyageons tous ensemble. Mais quand nous sommes arrivés aux abords du plateau Umetake, des monstres ont surgi sans prévenir. Alors j'ai couru de toutes mes forces jusqu'ici. Mais quand je me suis retourné, mes compagnons, ils n'étaient plus là. Est-ce que les monstres les auraient... Non. Je suis sûr qu'ils sont tous sains et saufs. Alors, je vais attendre leur retour ici. Si jamais tu les croises dans les environs, tu veux bien leur dire que Serzam les attend ici. D'accord. Et... Oh! Attends, plein de trucs à voir en fait. Bonjour toi. Une vallée ébordée par le vent au fil du temps. Quel paysage splendide. Oh, comment on se retrouve? Tu voyages encore? Je continue à arpenter nos belles régions. Qui sait, je peux peut-être te parler de mes destinations. Souhaites-tu me montrer quelque chose? Oh, ça se parle là, ça. Ma foi, ça a l'air d'être le bazar à sec. Cette oasis se trouve avant la cité Kaido. D'ici, dirige-toi vers le sud-ouest pour la trouver. Tant d'exotisme, c'est si rafraîchissant. J'aime beaucoup cet endroit. Tu ferais bien d'y aller, merci, l'ami. Merci. Et pour finir, on va aller voir. Il est pas là. Terry? Non, c'est pas lui qui part. Oui, Terry. Terry. Là. Attends-moi. Terry. Je vais acheter tout ce que t'as. Et je t'achète tout ce que t'as. Merci bien. Plus silex, parfait. Ok. En soi, on a un truc ici. Mais bon, ça paraît haut, non?
On va aller, je vais aller, on va aller voir. Vite fait. Tac, avant d'aller se faire le reste de sanctuaire. Ok, on va mettre la tenue d'escalade. Oui, là. D'ailleurs, oui, j'ai obtenu un deuxième doublé. Donc bon. Peut-être que je revendrai le mien. Et j'ai également eu ça. La tenue Nintendo Switch. Bon. Qui est une... qui est la première tenue... enfin, la première... qui est classée comme étant la première tenue des DLC, en tout cas. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais... et donc, elle était au plateau du prélude, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la première. En rouge, c'est la couleur des Korogu. Donc... ah, j'espère que je me dirige vers... pas vers un Korogu. Non, c'est bien Sanctuaire qui est noté, en rouge. Ok, mais j'ai plus de détecteur. Super. Bon bah du coup on va partir. Oh, purée. Ok, je vais partir de là. On ira par ici plus tard du coup. Ok, donc on va aller... on va aller à ce sanctuaire là. Tant pis, on ira voir sur cette zone après. C'est moi, ça lag? Non? J'espère pas. Enfin, il n'y a pas de raison que ça lag. Si le son semble laguer. C'est bizarre. On va voir si ça passe ou pas. Toi qui pénètre dans ce sanctuaire, taille. Ah, ça me... ouais, si, il y a des... moi, j'entends, il y a des drops audio. Ok. Je vais redémarrer le jeu à tout de suite. Bon, espérons que ce soit bon. Du coup, hop, on va s'équiper de ça. Question épée. On va utiliser celle-ci. Ça devrait passer. Ok. C'est une épreuve basique, je crois. Jeter en photo. Tac. Ouais, bah t'as perdu en fait. Tac, allez, dégage. Easy. Easy. Donc ok, donc on a déjà de quoi prendre deux cœurs. Enfin, on va avoir de quoi prendre deux cœurs. Cœur antique. Et deux cœurs, on sera au nombre suffisant pour avoir le Master Sword. Normalement. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Cilia, reçoit l'emblème du triomphe.
Parfait. Mon devoir est désormais accompli. Puisse à Décilia te protéger dans ta quête. Et on en a un autre ici. On a aussi la balise jaune, je crois que ça en est un autre. Voilà, ok, celui-là on l'avait tenté. Alors, celui-là. Voilà, mais il nous fallait des flèches, du coup on n'avait pas pu terminer. Ok. Du coup, tac, là on passe là. On va... Tac. Ouais, mais on peut pas le taper là. Le cristal est là. Oula. Ça passe. Ok. Parfait. Je pense qu'on la prend. Ah, mais non, mais je l'ai. Là-dessus. Super. Voilà. Ok. Maintenant. Et là. Ok. Là, ça passe. Parfait. Ok. Ouais, mais ça, quoi qu'il arrive, ça c'est pour avoir la clé. Putain, la clé, je peux l'avoir depuis le début. Ok. Donc, bah ok, en fait, c'est bon. Du coup, dans ces cas-là, c'est tout simple. Tu vas là, t'actives. Tu ouvres. Tu réactives. Et tu passes. Voilà, dans ce cas-là... Oula, ok. Tac, et on obtient un nouveau coffre. Ok. Je connais pas du tout cette épée. Je vais la... Je vais la poser là. Ça, je connais pas non plus. D'ailleurs, en soi, je pense à un truc. En parlant de photos. Ça, donc l'épée de Mipha et l'arc de Revali. Je les ai pas en photo. Si? Non. Ok, voilà. Du coup. Ça me permet d'aller là, mais en fait, je sais même pas où est la fin. Je sais même pas par où est-ce qu'il faut que j'aille. Faut que j'aille là-haut, ok. Tac. Voilà. Et en plus, on a tous les coffres. Ok, bah parfait.
En triomphant des pas, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la Destillère, reçois l'emblème du triomphe. Pam 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 pam. Mon devoir est désormais accompli, puisse la Destillère te protéger dans ta quête. Ok. Donc. En soi, qu'est-ce que c'est que ça? On va stepper vite fait là. Et on va regarder c'est quoi le point vert. Et après on va aller chercher l'épée de légende. Pas de soucis. Ah si, ok, ouais, il y a un sanctuaire. Je l'avais même pas vu. Ok. Tac. Je pense qu'une fois qu'on aura tous les cœurs pour l'épée de légende, on prendra surtout de l'endurance. Tac, si on a le temps, on verra aussi apprendre la tour de Firon. Mais bon, je pense que quand on déterrera l'épée de légende, on aura une grosse cinématique. Peut-être un souvenir même. Toi qui pénètre dans ce sanctuaire, Yakamata te met à l'épreuve au nom de la Destillère. Force massive. Je sais pas mieux pour taper que ça. Je vais taper avec ça plutôt. Super. Voilà. Ça a ouvert. Ok. Laisse-moi passer. Je prends vos armes pour vous taper. Ça fait combien ça, le glaive de gardien? Ça fait 20 quand même. J'ai rien qui fait moins de 20. Enfin, si, j'ai ça, mais bon. Non, pour le moment, on va garder. Il passe 50. Sympathique. Que jeter? Ah! On va acheter ça. Super. Tac. Bon, ok, ça va brûler. Ça, on l'a fait pour les Korogus. Faire brûler des choses. Ok, par contre, il y a un coffre. Ici, ok. Qui contient une épée du chevalier, ok. Ouais, on est vraiment à court de place.
Une épée des chevaliers qui fait 26. Place de l'épée électrique, on s'en fiche en soi. Ok, et a priori encore un coffre. Salut, suivant. Voilà, il dégage. La lance, ça fait combien? Non, ça fait 10. Oups. Dégage. Et on va prendre ce qu'il y a là-bas. On va prendre ça, voilà. Ça, on va sûrement devoir se débarrasser. Parfait. Ensuite, hop, il y a des vis antiques, des ressorts antiques, tout ça. Ici, on peut rien faire pour le moment, ok. Il y avait rien, ok. Super. J'ai compris quand je suis monté dessus, en fait, que c'était une mauvaise idée. Okay, donc là où il y a des trucs pour les gyroscopes. Là il y a un truc pour les gyroscopes. Ok. Deux secondes. Là il y a un coffre. Qui contient pas encore une épée. Un cœur antique. Parfait. Attends, par contre tu vois il y en a masse des coffres dans celui-là. Ah oui, non, ok, je me... Voilà. Un coup. Voilà. Easy. Easy Monique. Oula. Donc, ok. Pas le gâcher inutilement. Là on a nous la plaque qui fait quoi, je sais pas, ça lève ça, ok. Voilà, parfait, c'est un fail. C'est bon. Faut pas tout de suite aller dessus en fait. Faut aller dessus au dernier moment. Je veux dire, on me la fait pas moi. Voilà. Un petit rubis. Et on n'a pas tous les coffres. Ok, mais le coffre... Le prochain coffre est en... Ok, je le vois. Je vois le prochain coffre.
Oh, enfoiré. Ok, donc ça c'est pour aller ici, ok. Et le coffre, voilà, on peut l'avoir de par derrière. Diamant brut, ok. Et on nettoie les coffres, ok. Et voilà, nouveau sanctuaire défini. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Ok. Donc maintenant on fonce à Cocorico, on va chercher tout. Enfin, on va tout transformer en cœur. Et on va chercher la Master Sword. En sachant que des Korogu, j'ai vu. Enfin, on a utilisé la. Voilà, la minimap. Oui, la minimap d'aide. J'ai vu que des sanctuaires, il y en avait 120. Et des Korogu, il y en a 900. Voilà. Tac, du coup on a dit qu'on va à Cocorico. Du coup voilà. On est loin de... Enfin... On est... Ouais, on est loin de la moitié. Aussi bien en nombre de sanctuaires qu'en nombre de Korogu. Mais bon, ça avance. Tac. Des cœurs en plus, oui. Et de 1. Et un deuxième. Va et ramène la pomme à Yorul. On fait quoi? On déterre l'épée d'abord ou pas? Tac, youpi, reviens quand tu veux. Ok, bon, le moment que vous attendez est enfin arrivé. Normalement, c'est parti, vous êtes prêts?
Je vous en prie. Soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sais, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Hyrule? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici? Voilà, je... Allons, allons. Un message de cette importance se doit d'être délivré en personne. De quoi tu parles? C'est vrai. Ce que tu viens de voir s'est produit ici il y a 100 ans. La prêtresse royale est venue. Elle a placé cette épée sous ma garde, l'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Hyrule. Attendant le jour où tu viendras la retrouver. Quel sourire envoûtant elle avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. L'impurificatrice légendaire abrite en son sein un pouvoir sacré permettant d'affronter le fléau. Seul le héros choisi par l'épée peut la manier. Cette épée s'appelle l'épée de légende. Si tu la brandis contre le fléau Ganon ou les monstres imprégnés de sa noirceur, l'épée de légende se maniera de lumière. C'est alors seulement qu'elle réveille tout l'étendue de sa puissance, mais... garde-toi d'abuser de l'épée sacrée. Si tu la brandis sans nécessité, sa lame s'altérera jusqu'à devenir inutilisable. Si cela se produit, il te faudra attendre que l'épée ait retrouvé force. Quoi qu'il en soit, il serait dangereux d'affronter Ganon en ne comptant que sur la puissance de la lame sacrée. Si tu veux t'assurer la victoire, il serait plus sage de libérer les créatures divines afin qu'elles combattent à tes côtés. Bon bah voilà, on a l'épée sacrée. Bon, ce que je vous propose moi les amis, c'est qu'on s'arrête là. On va s'arrêter là. J'espère en tout cas franchement et sincèrement les amis que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous très bientôt, enfin dès demain d'ailleurs, pour le prochain épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. J'espère que vous allez bien, j'espère
Donc j'espère que celui-ci vous aura plu. Oui, je me demande si vous allez bien à la fin. J'espère que celui-ci vous aura plu. Merci à tous. Partagez la vidéo à vos amis. Abonnez-vous. Activez la cloche. C'est très important. L'aventure commence enfin. Enfin, elle a commencé depuis un petit moment, mais là, ça y est. On a enfin fini. On a fini la quête de la lame purificatrice. Merci à tous de l'avoir regardé. À demain tout le monde. Bye tout le monde.